What's up tout le monde, c'est Yarko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais là vous allez me dire, je sais, mais où est l'intro d'Erkos? Bref, comme d'habitude, j'essaye de vous mettre un petit truc marrant dès le début de la vidéo, histoire de se mettre dans l'ambiance. J'espère que vous apprécierez. Et j'espère que vous apprécierez aussi le retour des vidéos. J'essaye vraiment de m'impliquer. Je me suis dit, voilà, c'est fini, j'arrête de faire encore une vidéo tous les mois, c'est fini. Donc j'essaye de reprendre un rythme. Si t'aimes ce rythme, n'hésite pas à lâcher un like, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'encouragerait à continuer dans ce bon sens. Donc ça me ferait plaisir, voilà. Lâche un like. Et puis voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour un victoire ou discard. La dernière fois on s'était retrouvé pour un rush kit ou discard. J'avais gagné, je sais plus, peut-être 7-1 je crois. Malheureusement il n'y avait pas rush kit et j'avais dû donc discard Vardy en record breaker. Alors pour ceux qui disent ouais mais t'es partenaire avec qui, tu peux demander les joueurs que tu veux. Oui, c'est vrai que je taf entre guillemets avec Yé, j'ai le droit à avoir certains joueurs, pas tous, certains joueurs. Mais forcément les gars, si je vais rush kit le joueur en question, je peux pas le redemander. Les mecs ils vont me dire, ouais mais tu nous prends pour un con, tu viens de discard Vardy record breaker et tu le reveux. Non, ça marche pas comme ça les gars, si je discard un joueur, je pourrais plus le revoir dans mon club. Donc je préférais mettre les points sur les i avant de commencer la vidéo. Mais bon, voilà, c'est chose faite. Et aujourd'hui donc c'est un victoire ou discard spécialement donc pour Suarez 95 de général, le meilleur buteur de ce jeu, j'ai envie de dire. Donc bon, encore une fois, je tiens à le répéter, si je discard ce joueur, je n'ai plus de Suarez 95 dans mon club. Donc bon, ça sera la crise si je le discarde. Le but, c'est de gagner, mais pas de gagner juste un match. De gagner avec 3 buts d'écart avec l'adversaire. On va voir, mon équipe, elle est prête. C'est une grosse équipe, je vous ai préparé du très très lourd pour le retour de tout ça. C'est parti. Ok les gars, on a trouvé l'adversaire du jour. On va voir directement son équipe. Il a le maillot de la Xbox, ça fait déjà plaisir d'avoir un adversaire comme ça. On va voir son équipe et on se tape une équipe. On équipe pas trop mal quand même hein. On se tape du Higuain 88. On se tape aussi du Mohamed Salah, du Doumbia en version Roma. Il a une très très bonne équipe. La défense est plutôt bonne, le gardien est bon. Un petit peu de mal je pense, mais bon, sait-on jamais, on va voir. Je tiens à rappeler aussi que si le mec rush kit avant que je marque les 3 buts, bien sûr que le défi est accepté et validé. Donc bon, je préférais le dire avant de commencer le match. C'est parti, bon match à vous, bon match à moi aussi. Hein. On sait jamais. Et puis c'est parti les gars. Oui Messi, le pied gauche de Messi. Et c'est le premier but les gars, on commence vraiment fort à la 13e minute. Le pied gauche de Messi, c'est parfait. La passe de Suarez, meilleur buteur du jeu, j'ai envie de dire, de fut. 1-0. Oh, aïe, 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 l'arrêt d'Andanovic. Faute. Allez. Allez, on le tire rapidement, comme ça, il peut pas mettre son mur. Yes! C'est ça les gars! La première fois, c'est son joueur qui l'a arrêté sur la ligne. Et là, c'est Léo Messi. 2-0, juste avant la mi-temps, on est bien dans ce match. Il me reste une mi-temps pour marquer un but. Et gardez donc Suarez, je le répète, l'un des plus grands joueurs du jeu. Même le plus grand au niveau des buteurs. Oh là là, je me suis dépêché. Je me suis dépêché, sinon il mettait son joueur et c'était fini pour moi. Oui. Yes, les gars. Le défi est validé pour l'instant. Si je me prends pas de but, je garde Suarez. Je garde Suarez, ça me ferait plaisir parce que franchement, discard un joueur à 95 de général. Voilà, vous avez compris, je vais pas en dire plus. Mais pour l'instant, franchement, plutôt content du match. Il a la pression. Je vais pas m'arrêter à 3-0. Si je peux mettre un 4e ou un 5e but, je vais le faire. But ! Non !
c'est le but. Allez, c'est le but. Mais non. Phénoménal. Laure Madaudou est une extraterrestre. Hello. Mais non. C'est quoi ce match? Mais c'est trop pour moi. Neymar, il marquera jamais. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Alors, franchement, j'aurais pu mettre plus de buts. Mais la malchance que j'ai eue, c'est juste incroyable. Je sais pas si vous avez vu, bah vous avez vu si vous en êtes à cet instant de la vidéo, c'est sûr. Mais ce qui s'est passé avec Neymar, c'est trop. Je tire, ça tape, bam, 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 boum, boum. Bref, on a gagné ce défi, donc victoire ou discard. Alors victoire avec 3 buts de différence entre lui et moi. C'est chose faite, il y a eu 3-0, 2 buts de Messi et 1 but de Suarez, je sais pas, je crois que c'est un but de Suarez, hein. Je sais plus, bref. Ah oui, 1 but de Suarez et 2 buts de Messi, je m'en rappelle plus, mais c'est ça. Bref, le défi est donc validé, donc accepté, donc ce que vous voulez, mais en tout cas, je garde Suarez et ça me fait plaisir parce que ça m'aurait fait chier, je vais pas vous le cacher, d'avoir discard, mais c'est chose faite, je le garde dans mon club. Bref, n'hésitez pas encore une fois à me proposer des défis directement dans les commentaires et à lâcher un like si ce n'est déjà fait. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait aussi. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. J'espère que vous apprécierez les prochaines vidéos qui vont arriver avec un bon rythme, normalement. C'était Derkos, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.